À l'occasion de l'opération Le 10 mars, je lis, portée par le Centre national du livre, l'ensemble de la population française est invitée à suspendre ses activités 15 minutes ou davantage pour retrouver le temps de lire. La présidente de l'Assemblée nationale a souhaité associer notre Assemblée à cette opération en invitant des députés munis d'un livre dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Pour ma part, j'ai choisi le livre de Pierre Manès-France, « La vérité guidait leurs pas ». Dans cet ouvrage, Pierre Manès-France trace le portrait d'hommes politiques qui ont mené des combats, qui ont eu des engagements très forts et qui ont conduit des actions déterminantes comme Jules Ferry, comme Émile Zola, comme Jean Jaurès ou encore comme Joseph Caillaux, Léon Blum, Churchill ou De Gaulle. Mais au-delà de ces portraits, Pierre Manès-France nous donne une leçon en matière de débat démocratique, d'action publique, de démocratie participative et représentative, mais aussi d'action des citoyens dans le cadre de la démocratie nationale. Ce livre, pour moi, est un livre important parce que je pense que pour mieux faire comprendre la République, il faut savoir la faire aimer.